tout. Esprit Saint, moi tu es fait, parole moi yo, touche caillou, guide-moi, Seigneur, pour l'obéissance, une clé pour entrer dans votre destinée. C'est le sujet nous matin. L'obéissance, amen. Une clé pour entrer dans votre destinée. Destiné. Je vais inviter vous capable d'ouvrir Bible avec nous et n'appeler dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. N'apprends verset 8 à la gloire de Dieu. 2 Rois chapitre 5. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son chat et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un messager, « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Maintenant, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et la Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas mis à les laver et devenir pire. Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'avais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur.
Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel, la parole de l'homme de l'Éternel, de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Que Dieu t'aille bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, asseyez-vous. L'obéissance, une clé pour entrer dans votre destinée. Il y a quelques... Alors, pour me dire, la semaine passée, nous avons parlé de l'obéissance. Et il faut mieux que le sacrifice. Et ceci, quel que soit, écoutez, dans la Bible, là, Dieu t'a institué lui-même le sacrifice. Et lorsque c'est Dieu même dans le jardin qui t'a touillé mouton, qui t'a fait rade pour mettre sous l'homme. Mais pas de jambe mon côté dans la Bible pour qu'il dit obéissance remplacée. Alors, sacrifice remplacé, l'obéissance. L'obéissance, notez où est que c'est un mode de vie même pour les croyants. L'obéissance, c'est justement la façon de vivre, en d'autres termes. L'on obéit ou pas ta honte. L'on obéit, même ça qui est impossible, il paraît possible. L'on obéit, ça l'homme dit, c'est pas ça, bon Dieu, conclut. L'on obéit à Dieu, même la science t'a parlé. Même les quelque soit moun t'a parlé ou pas besoin peur, seulement rester conséquent avec ce que Dieu vous a prescrit. Bien-aimé, dans siècle ça n'a vivre là. Et que c'est un siècle qui chargé avec des rebelles. L'homme sur cette terre comme j'avais dit, il y a plus que tendance à obéir de la loi humaine que obéir la loi de Dieu. Et tandis que la loi de Dieu, c'est justement celui qui pourra le permettre que tout succès pour faire dans la vie terrestre, dans la vie spirituelle, dans la vie économique, quel que soit ça qui a mené sur terre, c'est à travers l'obéissance qu'il a découlé. Où je vois peu de monde obéit et connaît que l'obéissance, c'est une clé pour nous atteindre l'objectif. Destiné que bon Dieu gagne, il veut atteindre avec nous. Niveau, côté bon Dieu besoin arriver avec nous, c'est à travers l'obéissance. La permettre que l'irrive. Malheureusement, c'est peu de monde, peu de chrétiens qui connaissent que leur obéit à Dieu. Eh bien, quel que soit ça, ou besoin, ou êtes capable de joindre. L'obéissance, c'est ce qui nous mène à notre destination. L'obéissance, c'est ce qui apporte dans notre vie toutes sortes de bénédictions que Dieu gagne la caille pour nous. Bénédiction dans la famille. Bénédiction dans Timounio. Et la Bible dit que si ti moun pas obéi à parents, pas gen bénédiction pour lui. Et pas sa Bible a dit.
Nous te voilà qui mon aujourd'hui et honore ton père et ta mère et cela servira pour vous une source de vie sur cette terre. Alors, dans le pays où le Seigneur, ton Dieu, t'a donné. Côté nous jouons ça, c'est dans Exode, chapitre 20, le verset 13. Nous t'es où le matin? Amen. Alors, justement, frère Maxime, l'obéissance, comme moi t'ai dit que c'est un mot nous avons l'habitude d'entendre, la caille nous. Nous avons l'habitude de vivre avec lui. Nous avons l'habitude même à l'école nous tendons lui. Mais de jour en jour, nous plus que tendance obéir à l'homme que nous obéir à Dieu. Et tandis que, frère Maxime, Dieu mettait principe, il mettait ordonnance, li, c'est pour notre bien. Et pas vrai l'église, c'est pour notre bien. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 8, le texte nous dit, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Really? Reçoit les préceptes. Mais celui qui est insensé de l'œuvre court à sa perte. Ça veut dire, là où pas obéi, ou courir, dès de perdre tout. Destiné ou. C'est à la perdition au lieu de une bonne destinée. Recevoir des préceptes, c'est obéir au commandement de Dieu. Et c'est la sagesse même, si vous voulez. L'obéissance. Et l'auteur du psaume 119, le verset 9, nous dit, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Pour qui ça? Parce que ils sont justes envers tous. Quel que soit le monde qui obéit à Dieu, ou qu'à manger grand Dieu, bon Dieu. Je me souvent dis que souvent si monde qui obéit à ou la kaela, pas grand petit monde n'amande pas faire pour lui. C'est pas vrai? Pas grand yon pas faire pour lui. Mon petit monde qui rebelle toutes sortes d'il li gon réponse sur le bas ou toutes sortes d'il réponse ça toujours non près de bouche li frère Maxime yo et ben toujours à projeter son d'il bon garantie. Est-ce que vous pensez petit monde ça bon bonne vie son précepte lié son prescription son bagaille maternel. Son bagay nous da doit prendre dans berceau la caille nous pour nous obéir. Mais de jour en jour, Moussa apkou, apkou est loin. Regardez le texte. Le texte nous venons de lire, c'est un texte familier. Nous avons l'habitude d'entendre parler de Naaman. Son chef, son autorité, c'est un homme qui gagne plein pouvoir en Israël. Et la Bible dit, monsieur tombé en balai. Verset 1er a dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Ouais, qui rend monsieur joué. C'est un homme de valeur sur le plan politique. Son chef de l'armée. Et si vous regardez là, si vous prenez chef l'armée les États-Unis, vous mettez le camp là, vous êtes capable de dire que non, ça a une autorité. C'est là le palais, tout compagnon. Yo. Comment on dit ça? Et compagnon dit ou bien baronne? Tout bataillon. C'est bataillon, on dit. En dans l'armée, obéit. Elle dit, si chef la mère a dit, marre président, président nan roulou. Nan roulou. Elle a l'autorité de garantie
sécurité territoriale là. Monsieur a parlé de lui ici. Monsieur Rivet, eh bien, Bakonnen, l'ep tombé sous monsieur. L'ep tombé sous monsieur. Mais puisque vous connaissez que et en Syrie, justement, la Syrie te gagne des captifs. Je dis que vous avez un jeune si demoiselle. Et ça fait nous dire, si vous avez our young folks, you have to, you know, stay close to God. Because God could use you for anything. But some, as a matter of fact, in your environment, where you at, God want to use you to gain your classmates, your friends. That's why God put you with your friend. Because God want to use you. But why? You have to be obedient to the voice of God. The Bible says in the verse, 2 Kings, chapter 5, verse 2, there is a young kid, young, you know, woman. Because they say, you know, the little old girl, if you see in your Bible, say the little girl, he was one of the captive. She was one of them. Il dit que la Syrie était apportée par troupes et il avait amené au captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme. Ouais, bon Dieu utilisait cette petite là pour délivrer Négla. Petit petit là, oui. Il est la caille comme servante, commandant chef là. Et puis c'est là, commandant malade. Il dit, mais songez, c'est là, oui. L'on a confiance dans mon servir. Dans Dieu, ou a confiance dans mon Dieu. Quelle que soit autorité, ou qu'a campé devant pour dire, même gens. Takou Shadrach Meshach te dit. Takou Daniel te dit. M'pap obéi à l'autre Dieu. Dieu pam nan. Gen bagay ou gen yon pa ki te drive. So gen nan mon nan, son bon bagay liye. Pa ki te rien, pa ki te le monde retire. I tell you that young guys, when we was reading the Bible, earlier in the Sunday school, you are the children of the king. The king of kings. You know, as the children of the king, you are here to be as, you know, treat yourself as a king. Because the children of king is king. In the eyes of the enemy. Anybody else, you cannot compare yourself to anyone. Because you have the imprint of the king on you. Are you there with me? Ou gen imprint le roi des rois dans la vie. Si vite la regardez. Li la caille dame nan. Et c'est li poil malgré li nan non, la caille chef là, mais il y a confiance dans mon Dieu par là. Ou t'as dit, bon Dieu, par là, quitte le vin esclave, vin servante. Bon Dieu, abandonné. Non, il dit, moi-même, je connais, bon Dieu, pas là, caille moi mon prophète. Le prophète, ça, c'est le prophète de l'été. Il y a eu où soit le. Il ne sait pas, li. Là, le côté, wa. Et l'el rivé. Et puis, on a commencé à pleurer. Mais Élisée, côté nous sommes liés, la Bible dit que Élisée a pris ça, il est wa, mais il dit ça qu'a passé, wa expliquer, et puis wa pour me faire le coup. Wa dit, monsieur, bon, eh bien, menez monsieur, ben moi. Élisée dit, menez monsieur, ben moi. Amen. Le monsieur vini,
Songez bien. Et Élisée dit, maintenant qui est-ce? Naaman qui est commandant en chef là. Commandant en chef là. Il y a un bagage, ouais, titre. Titre son bagage qui a fait moun tomber sous l'estomac. Quand l'on tombe sous l'estomac, ça veut dire, je me souviens que le politicien qui a dit mon bagage, il dit qu'il y a un monde qui est tombé, il tombe mal. Ça veut dire sur le plan politique. Sur le plan politique. Et au moins, il dit ça sur le plan politique. Il dit que les gens qui tombent, c'est sous le ventre qui tombent, sous l'estomac. Il dit l'aile tombe sous l'estomac, ou pas qu'à faire rien pour lui. Ou pas qu'à faire rien pour lui. Il a pris trop de temps pour lever le camper. Mais at least, s'il tombe sous l'air, ou qu'à ballon main. Et au moins, s'il tombe sous le genou, ou qu'à lever le monter. C'est pas ça? C'est ça. Monsieur a tombé sous l'estomac. Chef là, monsieur garde capacité. Parce que son commandant chef, l'elle rivé côté prophète de l'Éternel là. Prophète là pas vienne côté. Il y a des bagay, il y a des fois, bon nous on bagay qui produit. Il y a des fois sou vle a, c'est pas li bon Dieu vle. Ça va pas tant de Dieu, c'est pas li bon Dieu a fait. Mais tout ça bon Dieu fait, tout ça ouais, bon Dieu fait. Li fait li, c'est pour votre bien. Et Dieu, bien-aimé, dans quelle que soit situation yé, Dieu pas jamais fait erreur. Ouais, regardez, monsieur, regardez sous capacité colonel, li, et un gros chef. Ça me dit, monsieur, regardez, il est son servante, son serviteur, pardon, que lisez vous écoutez. Il me dit, bon, si c'est ainsi, je me sentis mes stomacs. La Bible dit Élisée et Naaman viré avec fureur. Fureur veut dire colère. Il est fâché, il est estomaqué. Estomaqué. Comment moi-même fait qu'il était pays, mon pays m'a gouverné. En d'autres termes, moi-même c'est comme si ministre de la défense. Mon pays. Il y a plusieurs bataillons sous contre moi. Depuis me parler, je tout obéi. Et me vinn kote on si malheureux. Ou des fois bam non bagay, so prend pour ti piti, c'est li qui gros bagay, entendez? Et c'est li qui a retiré dans situation hier. Et gen moun k'ap parlé ou de consacré, bon. Et ou bon, m'a parlé de le sens général. Pas jamais considérer affaire de Dieu, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu comme petit bagay. Et en pile nan nous avons tendance des fois pour nous faire en comparaison. C'est gros palto. Nous avons rencontré avec un tel. Regardez, bon garanti. Il y a des gens qui ont marché pour y aller faire photo à moun. Yo plutôt skip tout bagay. Yo plutôt regardez, yo plutôt passer sous yo. Yo plutôt passer sous yo. Trio, puis on arrive et jouer dans picture seulement. Selfie. Pour qui ça pouvait faire photo à un homme. Et tandis que ça n'a pas utile ou en rien. À coup sûr, Naaman devait faire picture. Il devait faire photo à tes que l'aime de l'épreuve, me décroise avec le prophète là. Amen, amen, amen. Le mte gen lèp la, même moun nan te prier pour moi. C'est ça. Son espéré, c'est pas li bon Dieu planifié pour vous. Et c'est ça Dieu dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées. La pensée de Dieu, frère Maxime, c'est que
ou capable de pénétrer la pensée de Dieu dans l'obéissance et dans l'obéissance seule. Naman estomaqué. Ma capable de dire que ça va. Pour qui ça? C'est ça. Monsieur est venu porter. Il vient porter message là-bas. Pour qui ça, monsieur pas venu? Au contraire. Sous le texte, il dit que ça. Monsieur va dire que ça. Il va venir poser mes sous moi. Après, il va ça. Avec de l'église. Ouais, ça va chercher. Il y a une position de. Parce que c'est là. Vous touchez. Vous touchez. Et c'est l'homme qui a comme ça. C'est l'homme qui général. Et moi, avec vous, frère Maxime, ce n'est pas dans toucher mais non. Ce n'est pas dans l'action, non. C'est dans ça, bon Dieu Dieu, là. Amen. Quel que soit ça, bon Dieu Dieu, c'est lui pour faire. Pas qu'il n'y a pas bois là-dedans. Vous m'avez souvent dit, moun la caille, moi. Depuis que je suis en bagaille, ou pas besoin de skip li. Ou n'importe so skip today, you're gonna face it tomorrow. Oh, everything you skip today, you will face it tomorrow. But tomorrow you're gonna say, wow, if I know. But it's too late. But why you don't obey today? This is it. Obey today. Don't skip it. Don't skip it. This is the same thing I was talking about. So, you heard about the nurses happened, what happened in Florida right now. So most of the people, they skip. They skip. This is the, it's just life. It's just a step. Step by step. So j'ai six fois de gombaye comme ça le fait. Et puis, monsieur on va théâtre li fait. Et puis, pendant la monte escalier ensemble avec un monde. Et puis, pendant la monte escalier, yon, il y a mon cher. Ah, il prend le bateau. Il dit, moi, j'aime presser, mon cher. Il prend le bateau. Et puis, il dit, mon cher, bon, ok, pas de problème. Il dit, est-ce qu'on peut arriver? Oui, moi, et moi, je vais arriver tout. Nous arrivons ensemble. Nous arrivons. Nous arrivons ensemble, c'est vrai. Mais je vais. Regardez pour est-ce qu'on peut essouffler. Ça veut dire, où est-ce? Parce qu'on fait trop d'efforts. Moi, je vois des fois, ça nous fait. Élisée, voyez un message. Elle dit, monsieur, comme ça que. À la corps cette fois. Mais monsieur Furet, monsieur Bézon touché, monsieur Bézon parlé, monsieur Bézon selfie avec qui est-ce? Avec prophète là. Comme vous connaissez, c'est le chef de l'armée, il y a des serviteurs. Ou des fois, des gens, bon Dieu, met de bon côté, c'est justement pour capable d'aider. Dans la vie. Et sans moun sa, ou pap ka atteindre destinée. Ou est de bon moun bon Dieu met de bon côté ou? Kembe men pou fè route la. Amen. Voilà, quel nom. De bons conseillers, de bons camarades de genoux, de bons madame, bon mari. Kembe men. Et sans l'eau, pas qu'à arriver. Où est la vie, zo en aller, mais pas zo qui bol ap mener. Mais gon moun qui gen contrôle la vie. Bon Dieu, toujours gon grain de moun. Y ba yon flash de la vie. Gade, si c'est pour chef Naaman, il d'ap retourne la kaeli. Serviteur dit, bon, à quoi bon d'obéir? Comment on perdu dans ça? Just obéir. Et ça va dire là, frère Maxime. Ou pas perdre rien. Bon Dieu, bon bagaille, bon Dieu dit. Bon Dieu dit, si vous m'écoutez, et pas rien, non. C'est seulement ça, oui. Bon bagaille, l'être bien ça le fait. Des fois, l'en dure six oreilles, non. L'y changer tout nous-mêmes. Le bon sens. Pas qu'il est mal, non, il va dire, celle-là, d'ailleurs. Attendez. Let me changer. Qui ça? Système, mon Dieu, maintenant nous. Qui système lui changer?
le bon sens d'obéir à la voix de Dieu. Naaman dit, bon, mon cher, si c'est comme ça, monsieur t'a venu, vous ne parlez avec moi, vous dites mon secret de bagaille, mon cher pas venu, mon cher m'a connu, et il m'a vague sur ça. Serviteur dit, non, mon seigneur, le grand chef de l'armée, moi qui vous m'avez obéi, parce que je ne peux pas dépenser rien pour ça. À quoi bon d'obéir? Et Naaman obéit. Li la guitare li sept fois. Et le texte nous dit Naaman guéri. Bien aimé, des fois, c'est préjugé nous qui cause que nous pas atteindre l'objectif. Destin nous, c'est à cause de préjugés nous qui va nous retarder. Il y a qui dit, bon, dans l'église là, parce que, un grand kéléké là, madame Gauchapo, devant, mais il y a côté qui a Gauchapo. Pas vrai? Il y a côté qui a Gauchapo. Bah ouais, bon, mes amis, comme ça, un gros building, pas vrai? Gros building, des centaines de milliers de monde. Préjugés, nous rivons nos cadres. C'est les biens qui font ça, oui. Alors, c'est ça qui frappe les yeux noirs. C'est les qui ont l'impression qu'on bagage sérieux qu'on fait. Il y a un homme qui te dit, ah, mon monde te dit ça, oui. Mon monde te dit ça. Il dit comme ça que est-ce que c'est dans le côté ça que tu as mon bagage? Hein? Et bien ça le dit. Et puis il dit, venez. Waouh, ou même azur. Préjugé Naaman. Tu regardes le serviteur, il regardait le message. Comme un message qui va gagner trop de valeur. Des fois, préjugé à l'âme même dans la famille. Amen. Livre dans la famille. Livre dans le Simon. Il y a un Simon qui garde, c'est parce qu'il garde chez vos côtes et il ne respecte pas comme maman. Parce qu'il garde ou même papa comme si chez vous, quand j'en graine de quoi chez vous, il ne regarde pas comme papa. Peut-être leur parler, il n'a pas de valeur. Il y a des amis. Mon ami qui raconte ça, qui dit mon ça que, et que les grandes dames, mon ami li, qui gagnait yon moun, li ensemble avec lui. Mais il paraît que monsieur a pas tant de lui-même. Pas rien. Alors, monsieur a, li compare monsieur a comme un bébé parce que monsieur a pas trop de maturité. Regardez, li dit comme ça que, tout ça le dit monsieur a, il paraît que monsieur a coûté zami plus que le coûté. Ou pas comprendre, non? Ou pas qu'on voit bon manger la caillou et pour aller manger cagon flou, pas préjugé, manger dormi. Moun qui mange dans le restaurant, nous mangeons pile, manger dormi, oui. Bah, les m'intéresse, non, c'est Rosanna. C'est Rosanna qui a gâté, bah, elle. C'est pour nous faire manger la caillou, non, pour nous faire manger la caillou. Amen. Manger, maman, manger. Alors, l'orgueil de Naaman, et ça veut dire les préjugés que nous avons vis-à-vis de ceux qui nous rendent, alléluia, et que ministère, ça y est capable, ce sont des blocages pour nous arriver dans la destinée, non. Ces préjugés de Naaman qui est capable de bloquer. Amen. Il y a aussi des préjugés sur le lieu où l'on rend ministère. Ça veut dire, dans notre église, nous préjugés même dans le milieu côté n'a servi bon Dieu. Des moun lèl paraît l'église là, il dit toute qualité bagaille l'église là. Mais le qu'on paraît non l'autre cathédrale gros bagaille comme si on comprend lumière. A fêté sous chair. Et puis, quand il y a là,
et c'est évêque un tel ou bien archbishop un tel et puis là elle paraît nèg elle paraît fort dit son mes amis respect pour l'assemblée parce que loin pile lumière en pile lumière où elle est ou vient tromper par l'aspect physique mais pas garder l'aspect physique garder le message c'est le message c'est ça bon Dieu dit ou là c'est le important c'est pas monde qui porte des messages là qui important amen église c'est pas monde qui porte des messages là qui important monde qui porte des messages là capable qui que soit monde mais c'est le message parce que le message c'est Dieu même c'est Dieu même Dieu nous demande, bien-aimés, à obéir. Et obéir Dieu dans tous les aspects, social, spirituel, familial, économique. Il y en a pas qui m'a abordé ici. Obéir, bon Dieu, dans la question de la dîme. Obéir, bon Dieu, dans servir, bon Dieu. Je vais parler de ça. Parce que je parle de ça, fidèle, je vais dire amen. Et là, on dit amen, ou dit accepter la parole là. Si vous pas accepter, vous n'avez pas besoin de dire. Amen. Bien, je vais quitter nous matin. Pour me dire non. Dieu demande à Josué. Il dit Josué, pour atteindre l'objectif, qu'on crée une bagaille pour faire. On regarde le texte pour me finir. Josué, chapitre 1er. T'as dit oui? Verset 8 là. Qui ça le dit? Que le livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est un contraste. Ça veut dire à partir de la méditation, à partir de l'obéissance, à partir de l'application de la parole ou bien du message. Ça le dit. Tu. Qui ça? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ça veut dire destin. Li pa nan conformité sur le plan administratif. Li pa nan règlement corporel. Li pa nan conformité en quelque sorte protocolaire. Mais les n'ayons cadre d'application stricte et seulement dans l'obéissance de la parole de Dieu. M'invitez au matin, hein, en ce premier dimanche et pendant toute l'année, baille tête en discipline pour dire Seigneur, je voulais. Obéir. Ils vont chanter comme ça, oui. C'est pas ça? Non. C'est pas ça, non? Je voulais t'obéir. Ils vont chanter. Je vais rappeler mes chants. Ils m'ont rappelé, ils m'ont rappelé, ils m'ont chanté le mot. Bien aimé, Bamzo. Qu'est-ce qu'on a bagaille pour faire? Dans quel que soit aspect, obéis seulement. Madame, obéis à Mario. Petite, obéis à Baron. L'église, obéis à Pasteur. Assemblée, pasteur, évêque, diacre, membre, obéis à Dieu. Et vous verrez. Votre destin sera
Réfléchis sur la vie, parce qu'on va compter pour qui ça, autant de messages ça, et je dis. Message là, il m'a dit faut obéir. Et mon pasteur qui m'a dit, obéir sans comprendre. Waouh, la gloire, bon Dieu. Ou même qui prêt pour cette scène, 58 Français chant d'espérance à la gloire de Dieu. 58 Français chant d'espérance. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, moi, sur la croix, j'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tais-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Troisième couplet. J'entends ta douce voix, elle est peut-être moi et me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix, Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi, que la mort de la foi. Jésus, roi des rois, qui mourus pour moi, je sur la croix. Le jour des pains sans levain, où l'on devrait immoler la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez vous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une chambre haute aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Maintenant le jour, l'heure arrive où il se mit à table avec les apôtres et dit,
leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous et pour beaucoup. Cependant, voici celui qui me livrera est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là à qui il est livré. Bien-aimés, nous sommes autour de la table du Seigneur. Cette table que Jésus-Christ nous a donné l'ordre d'approcher au devant, la Sainte Seine. Là-dedans, il y a les instructions. Ce sont des éléments que nous trouvons justement. Les instructions, c'est que la parole a été faite chair. Elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1er, le verset 14. L'assurance, c'est que cette coupe, hier nous n'avons pas l'accès au Père. Mais à travers cette coupe, c'est à la nouvelle alliance. Quelle joie pour nous autres. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Luc chapitre 22, le verset 20. C'est à notre responsabilité aussi pour nous partager ce message. Faites ceci en mémoire de moi. En faisant ceci, nous devons prier Dieu pour lui demander de nous pardonner. Car l'apôtre nous dit, seuls les purs des pécheurs peuvent s'approcher vers cette sainte table. Mais pour cela, il nous a prescrit comment nous pouvons être saints. C'est en demandant Dieu pardon. Le sang de Jésus est toujours tendu sur la croix. Il peut nous nettoyer ce matin. Pendant pasteur, allez prier pour nous et vous priez dans votre cœur en demandant Dieu pardon afin de prendre librement et sans contrainte le repas du Seigneur. Prions le Seigneur. Couvrez tête non dans moment ça. Pour nous capable entrer directement cœur en cœur avec Jésus ce matin. Père céleste, Dieu tout-puissant, papa nous qui dans ciel là, le grand Dieu de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ce matin nous rapprocher devant ta beau encore. En ce premier dimanche du mois, côté peuple, petit touillot, décidé avec un cœur bien désiré, puis recevoir corps, puis recevoir vin ou son qui était coulé sur le bois du calvaire, et Père, qui recevoir chair au cœur ta batte, pour te capable de nous la vie. Dans ce moment, ça nous rapproche devant ta beau pour nous dire merci. Pour
présentation ça qu'on quitte pour nous. Et nous-mêmes, nous décidons ce matin avec un cœur bien fait. Un cœur qui vraiment croit dans nous-mêmes pour nous capables de recevoir ni vin ni pain. Et Père Céleste, c'est qu'il y a parmi nous, Père Céleste de Toubissant qui est malade. C'est qu'il y a parmi nous qui péché. C'est qu'il y a parmi nous qui dans l'autre bagaille dans le monde là. Père Céleste de Toubissant, on va sanctifier, on va purifier, on va laver avec corps et avec sang ça, Père Céleste. Béni pain ce matin, béni vin ce matin, pour que le peuple soit capable de comprendre qui nous sommes dans la vie. Et que ça me bénit, non? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On fait deuxième prière. Père d'amour, Père Saint, Père de bonté, nous remercions particulièrement pour la vie, la restauration, l'être. Merci pour le pain. Merci pour le vin. Merci pour l'assistance qui est toujours avec nous. Sans inquiétude, d'avancer vers cette table sainte pour nous prendre cette scène. Bénis-nous ensemble, faisons grâce et nous prions ensemble. Au nom de Jésus, celui qui vient des abois et vous toujours. Amen. Amen. Maintenant, et ceux qui vont prendre directement et la Sainte Cène et prier, alors sont priés de se mettre debout, justement, et pendant que les sœurs, nous, avec le pasteur, à la croix où mourit mon sauveur, je suis venu brisé des douleurs, là son sang purifia mon cœur, à son nom la gloire, à son nom. En moi, Jésus, vers pour demeurer.
À son nom, la gloire dès maintenant au siècle des siècles. Le nom de Jésus. Le nom qui fait vibrer le monde invisible. Le nom de Jésus est si doux, si précieux, si merveilleux. En ces noms saints, bénis, nous avons ce matin l'opportunité d'approcher vers la Sainte Table avec un morceau de pain. Ce pain représente symboliquement le corps de Christ. Ce corps qui a été brisé. Car Jean a dit, la parole qui a été créée toutes choses est faite chair. Elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ nous a prescrit en disant, faites ceci en mémoire de moi. En faisant cela, nous vous invitons, chers frères et sœurs, à manger ce pain au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mangeons ensemble à la gloire du Seigneur. Tout genou, toute langue qui confesse Jésus-Christ, c'est Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il y a bien la vie qui va bien finir. Sur parole ça, Jésus-Christ est bâillé la ville en versant son sang sur la croix. L'apôtre nous dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vivons ensemble. Au nom de Jésus. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quelle merveille, il vient me sauver. Prendre sa croix, je me suis chargé. En moi, Jésus vient pour demeurer. À son nom, la gloire. À son nom. Avancer pour faire prière finale pour nous et pasteur Rémi a bail bénédiction pour nous à la gloire de Dieu. Adore Père Saint, Père Céleste, Seigneur, nous te remercions pour grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour grâce au bon amour.
pour bonté ou l'éternel de sa main, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur Dieu, si je dis à Seigneur un matin, hein, nous dormir, nous lever, c'est grâce à vous. Seigneur, ce n'est pas monde qui mettait rate sur nous pour nous venir dans la place là, c'est grâce à vous. Ce n'est pas monde, Seigneur Dieu, oh papa, qui lève nous matin, ma Seigneur, c'est grâce à vous, Seigneur. Ce n'est pas le monde qui change nous bon matin, hein, c'est grâce à vous. Seigneur, c'est une bague d'oxygène, c'est grâce. Seigneur, c'est une bague de tout pour nous. Dans la bouche nous, Seigneur Dieu, c'est grâce. Seigneur, c'est une bague lever pied pour nous marcher, c'est grâce. Seigneur, c'est une bague lever main en l'air pour nous balancer, c'est grâce. Seigneur, c'est une bague inspirer matin, hein, c'est grâce. Alors, Seigneur, nous venons devant pour te merci. Pour grâce au Seigneur. C'est nous qui avons crié, bénézé. Jusqu'ainsi, l'Éternel nous a secouru. Seigneur, merci pour le message. Merci pour chaque bien-aimé, chaque frère et soeur qui l'a matin, Seigneur. Yo qui t'es maison la caillou, Seigneur, vin pour grâce. Yo vin pour bénédiction qu'elle compte. Seigneur, moi, nous t'en prie, Dieu, une semaine, Seigneur. On va camper avec you. On va armer, Seigneur. On va couvrir avec grâce. Seigneur, Dieu tout-puissant. Dieu, une semaine, Seigneur, Dieu. Ti moun qui parle l'école, Seigneur, Dieu. Ça parle mouté bord. Ça parle traverser la rue, Seigneur. Moun qui parle l'autre train. Seigneur, Dieu, tout-puissant. Moi, nous va accompagner, on va couvrir. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre toujours. Tu me pousses pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Seigneur, t'en prie, Seigneur, dans grâce, dans miséricorde, ou Père Saint, Père Céleste. Nous connaissons pas, mon Père Saint. Nous connaissons coupables, nous péchés, nous faisons un pile de bagailles qui parfois plaisir. Mais pas garder sous faute, nous. Pas garder sous désobéissance, nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, même Jean t'a dit avec Saïl, l'obéissance vaut mieux. Que sacrifice, Seigneur Dieu. Oh, permet que, Seigneur Dieu, nous fassions sacrifice pour nous venir dans la présence. Nous fassions sacrifice, Seigneur Dieu, nous mettons nous frais, nous mettons nous chelbés, nous bien habillés, nous sentis bons. Mais permet que, Seigneur Dieu, l'évangile capable de traverser la vie, nous, Père Saint. Quand nous prenons obéissance capable de la vie, non. Oh, même Jean-Paul l'a dit, oh, Seigneur Dieu, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Permettre que Seigneur pour nous sentiments, pour nous caractère, pour nous obéissance au Seigneur Dieu. Tout côté va passer pour grâce ou en dans nos personnes. Puis on prend en de nous, Seigneur. Puis on prend en de nous. Pour nous en de nous. Pour nous en de nos personnes. Pour nous pas en de péché. Pour nous pas en de long. Pour nous pas en de mendiaise. Pour nous pas en de ou les débats. Pour nous pas en de péchador. Mais pour nous grâce ou en dans nous. Pour petit monde Seigneur capable de grandir, pour dire que Seigneur capable d'avancer, pour elle n'a pas de pouvoir sur eux, pour démons pas de pouvoir sur eux, dans le nom puissant de Jésus, que toutes âmes qui forgent pour l'année 2023, toutes âmes qui forgent sur l'année 2023, toutes âmes qui forgent sur petite nous, toutes âmes qui forgent sur la vie nous, toutes âmes qui forgent sur serviteurs, servantes, on s'est amené lever devant, pasteur, devant, Seigneur Dieu. Mes pasteurs qui stavent dans ma toute famille, madame ni petite ni Seigneur Dieu, toutes âmes qui forgent sous la vie au Seigneur, nous entrons connus à Seigneur, nous déclarer victoire, nous frappez-moi, nous déclarer victoire, nous déclarer victoire, nous déclarer victoire, nous déclarer victoire et nous déclarer guérison dans le nom puissant de Jésus. Connus à Seigneur Dieu, nous prenons victoire, nous prenons délivrance, nous Seigneur Dieu, et tout le monde qui a une maladie quelconque, qui a du tension, qui ont sucre fatigué, qui ont douleur, ou rêve fait mal, ou pied fait mal, nous déclarer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, mes prix, mes pouvoirs qui va accompagner, mon qui croit dans vous, il va poser la main et malade va guérir. Et nous déclarer guérison divine dans le nom puissant de Jésus. Moi, quand on malade la main, guérison divine au nom de Jésus. Nous déclarer guérison au nom de Jésus. Seigneur, t'en prie. Seigneur Dieu, nous pas
demandons toute grâce à yo, à Mary Petit ou à monde qui prend le dîner. Mais nous demandons toute grâce à yo, Seigneur, parce qu'on s'est mouru sur la croix, sans déverser, pour que j'aie à Saint-Dieu, nous capables qu'elle reçu, nous capables qu'elle a fait. Saint-Dieu, t'en prie, Saint-Dieu, archi, en retour, nous va témoigner gloire, nous va dire merci en gloire. On nous crie Maranatha. Christ revient. Au nom de Jésus. N'a rien à craindre puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre en m'appuyant sur ton bras. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant que la paix et la grâce de Dieu, l'amour du le Père reste sur vous, sur votre famille, votre église, dès maintenant et pour l'éternité. Maranatha, Christ revient.